Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nazvap pour une nouvelle vidéo. Et là, j'avais envie de faire un petit coup de gueule après ce que j'ai entendu. J'ai entendu que l'Allemagne dépénalise les herbes de Provence, les herbes tropicales, voilà. Alors que la vape y est attaquée, y est surtaxée, ce qui crée la mort de l'industrie de la vape en Allemagne. Mais par contre, des herbes de Provence, c'était pénalisé actuellement. Mais je pense qu'on marche sur la tête, sérieusement. Je pense qu'on marche sur la tête, quoi. Dire que j'ai arrêté la tueuse, voilà, pour éviter un cancer, finalement, je vais finir. Ma parole, je vais finir avec un ulcère à l'estomac, en fait. Ma parole, j'ai arrêté la tueuse pour éviter un cancer, je vais finir avec un ulcère à l'estomac. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Pourtant, ça a été prouvé que les herbes, scientifiquement, des études sur des dizaines de milliers de jeunes étudiants, tout ça, que ça peut être nocif pour certains, non, moins, pour d'autres, oui. Déjà, rien que le fait de fumer, déjà, bah, c'est, comment dire? Il y a 200 morts par jour en France, 200 morts par jour. Et ne comptant pas ceux qui souffrent d'atroces souffrances en chimiothérapie, qui seront sauvés, et ceux à qui on a enlevé carrément un poumon, voilà, à qui on a enlevé un poumon, voilà. Et même être vapoteur aujourd'hui, c'est devenu. T'es vapoteur, je te jure, les gens, ils vont venir, ils vont te faire chier, ouais, c'est plus dangereux que la clope, sans rien, sans aucune étude scientifique, sans aucune source. Franchement, presque le gars qui fume sa tueuse, on lui dit rien, mais celui-là qui va pas, on va lui casser les pieds, mais où on va? Heureusement, il y a d'autres personnes, des non-fumeurs, qui me disent parfois, ben, je dis, excusez-moi, j'ai envoyé un gros nuage, tu vois, excusez-moi, il me dit, ah, ben, c'est déjà, ça sent meilleur que la clope, il y en a qui sont comme ça, il y en a, voilà, ils sont terre à terre, voilà, et. Il y en a, ils sont terre à terre, Il voit la différence, ne serait-ce que par l'odorat, un meilleur odorat. Mais il y en a d'autres, ils vont te casser les pieds parce que t'es vapoteur. Ou bien les gens qui vont te fuir si tu leur fais la morale, tu vois. Si tu leur fais donc, du coup, j'évite de faire la morale. Je vapote de mon côté, j'évite de faire la morale. Voilà. Je rappelle que la cigarette électronique, selon les études nationales britanniques et l'ensemble des études scientifiques neutres, non financé par des compagnies du tabac, tout ça, toutes les études scientifiques neutres, eh ben, elles sont, voilà, elles disent que c'est au moins 90, 95% moins dangereux que la tueuse. Le docteur Jacques Le Wézek, le docteur Dotzenberg qui dit que vapoter un an, c'est moins pire que de fumer une clope. Voilà, ça c'est les paroles du pneumologue Dotzenberg qui a pignon sur rue dans les médias. Voilà. Mais bon, on reste dans un monde où le complotisme, tout ça, voilà. Ouais, tant qu'il y aura du complotisme, voilà. Et voilà, et les lobbies du tabac, voilà, les oligarques vivant de grâce au tabac, ben, voilà, je rappelle qu'il y a 200 morts par jour en France à cause du tabac. Presque 1 million en Europe par an. 1 million de morts par an. Mais c'est des chiffres de guerre. On parle de chiffres de guerre là. 1 million de morts par an en Europe. Bah remarque, remarque. Ça fera 1 million de consommateurs en moins d'énergie. Ça fera moins d'énergie à importer en Europe. Moins de gaz, moins de pétrole. Vu que ces gens qui sont morts, bah, ils conduiront plus. Hein, ils n'auront plus besoin d'utiliser du gaz, du pétrole, ça fera des économies, ma parole, vu que les prix, ça fera des retraites en moins à payer. En général, les gens, ils attrapent le cancer comme par hasard avant leur retraite, comme par hasard. Simple coïncidence, je ne sens pas. Parce que quand on commence la tueuse, on se dit, voilà, on a le temps, quoi. On a le temps. Moi, je savais qu'à partir de mes, voilà, qu'à partir de 40 ans, on a un risque héréditaire familial de cancer. On a un risque, donc j'y ai toujours pensé, j'y ai toujours pensé. Voilà.
Et ça me rappelle un truc. J'étais en train de fumer. J'étais en train de dire, ouais, faut que j'arrête, faut que j'arrête. Il y avait tout le monde qui se moquait de moi. Il me disait, ouais, mais tu fumes et tu dis qu'il faut que tu arrêtes. Il y en a un, il leur a dit, oh, au moins lui, il a l'envie, il a l'intention. J'ai toujours eu je savais toujours dans ma tête qu'il faut que j'arrête. Donc, j'ai appris d'autres décès encore. Voilà, des parents, des amis, par exemple. Un exemple, voilà. Il y en a beaucoup, ils veulent pas en parler, tu sais, pour le respect de la mémoire. Je comprends. Je comprends. Pour ceux qui sont morts, que ce soit de la cigarette, surtout concernant les femmes, ben, très peu de gens en parlent parce qu'ils n'ont pas envie de dire que leur mère fumait des tueuses. Voilà. Alors que ça veut rien dire. Hein. Ou la drogue, ceux qui sont morts par la drogue, très peu témoigneront par c'est un certain respect, mais c'est dommage pour les vivants, pour la prévention, c'est que mon avis, quoi. C'est que mon avis. Je m'écarte du sujet, mais on marche sur la tête, je vous le dis. Je me suis mis à la vape pour éviter un cancer du poumon, je vais finir par un ulcère à l'estomac, mais c'est pas possible, ça. Mais c'est pas grave, le combat continue. Hasta la victoria, siempre. Hombre, vamos, tío, coño. Venga, va. Lol. Un peu d'humour, voilà. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. L'Allemagne, actuellement, en Allemagne, ton litre de base, tu le payes 400 euros. On risque d'y arriver en France aussi. On risque d'y arriver, 400 euros le litre de base, alors que le litre de base c'est combien? C'est 20 euros, c'est 15 euros à tout casser. C'est entre 15 et 20 euros le litre de base. Je comprends pas. Qu'encore on surtaxe la tueuse, parce que avec tous les cancers, du coup, ça revient cher à la sécurité sociale. Je comprends qu'on taxe pour compenser la sécurité sociale. Mais il y a zéro mort à cause de la cigarette électronique. Quand c'est du liquide acheté en magasin, du liquide nicotiné, il y a zéro mort. Après, c'est sûr, si tu vas mettre du poison dedans, voilà quoi. Après, tu vas, c'est comme si tu mets du poison dans un verre, tu vas incriminer le verre, par exemple. Mais pourquoi ces taxes? Elles se justifient en quelle manière ces taxes? J'ai du mal à comprendre, voilà, j'ai du mal à comprendre tout simplement. Voilà ma petite vidéo coup de gueule et j'ai pas fini d'en faire, je pense. Avec ça, j'ai pas fini d'en faire. Voilà, j'évite un danger, mais je vais sur un autre danger des nerfs. Quoique j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Le combat continue, comme j'ai dit. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis des poteaux, pour de nouvelles vidéos. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben la tueuse trépasse. Et ça va peu bien. Tchuss et à plus pour d'autres revues, d'autres vidéos plus calmes. Je vous promets, la prochaine fois. Tchuss.